supply chain collaborative au service de l'expérience client a besoin d'avoir trois caractéristiques. La première, c'est qu'elle doit être agile. La deuxième, c'est qu'elle doit être fiable. Et la troisième, c'est qu'elle doit être précise. Agile, ça veut dire qu'elle doit pouvoir répondre en fait à des demandes des consommateurs, des clients, qui sont de plus en plus omnicanal, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un client va commander en ligne, ou il va demander à être livré chez lui, ou bien il va aller se faire livrer dans un click and collect, un casier. Donc la supply chain doit pouvoir répondre à ça et pouvoir changer quasiment d'une minute à l'autre presque, donc être le plus possible agile. La notion de fiabilité est extrêmement importante parce qu'en tant que consommateur, vous demandez à être livré chez vous entre 8h et 10h. Pourquoi 8h et 10h? Parce qu'à 10h, vous partez de chez vous, vous partez bosser, vous voulez être livré avant. Et puis 8h, parce qu'avant 8h, vous êtes dans votre douche, vous n'êtes pas encore levé, ou je ne sais pas trop, mais vous avez besoin 8 à 10. Et ce n'est pas 7h30, ce n'est pas 10h30. Donc cette notion de fiabilité est très importante. Pour un consommateur, il commande pour être livré le lendemain entre 8 et 10, ça doit être là le lendemain entre 8 et 10 et pas autrement. La précision est importante aussi pour le consommateur, parce que finalement un consommateur, je suis un consommateur, vous êtes consommateur, consommatrice, vous avez des besoins et des attentes qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Donc cette précision, en fait, moi je demande une paire de chaussures jaunes, taille 46, qui soit livrée entre 8 et 10, mais c'est une jaune que je veux, c'est pas une bleue, c'est pas une marron. Donc ça c'est en fait cette précision qui doit aussi être une caractéristique de la supply chain pour que le client ait la meilleure expérience possible. Alors l'usage des nouvelles technologies, en particulier l'IA, est très importante parce que finalement, cette agilité, cette précision et cette fiabilité va être rendue possible par l'usage de l'IA, l'usage d'autres technologies également, potentiellement de l'IoT, du big data ou de la blockchain. Mais l'IA va permettre d'anticiper en fait les opérations le plus possible et en anticipant en fait de permettre de gérer ces changements potentiels de dernière minute. Finalement, je ne veux plus une paire de chaussures jaunes, je la veux bleue, et puis je ne veux pas qu'elle soit livrée chez moi entre 8 et 10. Je veux aller la chercher dans un casier sur le trajet de mon boulot à 11h. Donc avec l'utilisation de ces nouvelles technologies, ça va permettre effectivement aux acteurs, opérateurs logistiques, mais aussi les fabricants et les distributeurs, en utilisant ces nouvelles technologies, de pouvoir répondre le mieux possible à mes attentes, à mes besoins en tant que client.